Bonjour, ouverture du vlog. Je viens de terminer ma vidéo, j'étais en train de faire mon haul. Il y en a partout. Il est midi. Ah, il est midi? Non mais la fille qui hallucine. Et nous sommes mercredi 22 ou 23 octobre. Oh, à la ramasse, je suis à la ramasse. On est bien mercredi? Ben oui, parce que je dois publier. Je vais éteindre les projos. Je vais préparer à manger. Parce que voilà. Si vous voulez voir le hall, il sera en ligne depuis dans le hall de mercredi, je pense. J'étais obligée de mettre les projos parce qu'il fait tellement sombre ce matin. J'ai fermé aussi les rideaux pour pas qu'il y ait de reflets. J'ai créé une petite ambiance, quoi, vous voyez. Et lui, ça surveillait sa mère. Tu aimes bien regarder ta maman qui fait des halls? Tu vas faire un hall croquette, toi? Bah, bien sûr. Eh ben, il est 17h. Je suis montée directement après avoir fait ma petite pause repas sur le montage de la vidéo. Et regardez, j'ai tout laissé. Tout est dans cet état. Et là, il faut que je file. Faut que je file où? Eh ben, faire des courses. Voilà. Parce que là, vraiment, le frigo, il est vide. Depuis le retour des sables, on n'y est pas allé. Alors, ah, si. J'ai ma liste. Eric, il n'est pas en forme. Il est très fatigué. Très fatigué. Ça doit être il me dit que c'est le premier trimestre, ça fait ça, tu sais, quand tu es en vacances, après, t'as ton corps qui se relâche. Et je vais faire des courses. C'est pas que je sois motivée à fond, mais il faut le faire. Bon, je file à Inter, il y a moins de monde. Parce qu'en fait, ma vidéo est pas encore complètement uploadée, ça prend plus de temps, donc il faut que je sois quand même à la maison avant 6h. Je vais faire vite. Bon, j'ai fait vite, mais malgré tout, il est déjà 6h-10, donc j'ai appelé Eric pour qu'il l'appuie sur programmer. J'avais déjà tout préparé et je vais prendre un petit goûter. Hop. Oh, il n'y a plus grand chose. Ouh, bah il va être content. Moi je me suis pris, vu qu'il n'y en avait pas à Inter, mon pain sportif que j'ai fait trancher, mais celui-là il est différent, j'ai l'impression qu'il y a de l'abricot. Eric, je lui ai pris. Qu'est-ce que je lui ai pris? Je ne sais plus. Ah si, une part de brownie. J'ai fait un sacré plein de courses. J'ai pris des trucs cool. Je vous montrerai en mettant tout sur la table, ce sera plus simple. Et j'ai pris, ça me donnait envie, c'est pas sûr que je le montre, peut-être pour matin, un Marie Pépite. Donc ça doit être la spécialité. Ouf. Oh non, la bouille. T'es en train de sentir le brownie. Et il est en train de sentir le brownie que t'es en train de manger. Ouais. Il hume l'air. Il est bon ou pas? Il avait l'air excellent. Hein. Je vous montre pas Eric parce qu'il est en mode cool à la maison. Repos, quoi. J'ai tout mis sur la table. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, je veux goûter. Des pâtes où il y a marqué, donc c'est au maïs et riz, donc forcément sans gluten. C'est peut-être immonde, mais je veux voir. Parce que c'est vrai que moi, quand je prends les... Comment ça s'appelle? C'est quoi les pâtes que je t'ai faites hier? Oui, des pâtes complètes, pardon. J'ai fait des pâtes complètes hier. Moi, j'aime bien, toi, t'aimes pas. C'est vrai que c'est un peu granuleux. Mais les autres, j'ai du mal à les digérer. Donc voilà, parce que j'ai un peu pris mes soupes. Minestrone, j'adore, ça c'est cresson. Il me semblait que j'avais pris une autre soupe genre format classique. Bah non. Des pommes. Et au niveau des laitages, je veux tester, si ça me donne envie. Donc c'est tout à base de lait de coco, pareil. Pour le vent, tout ça c'est plus digeste. Liégeois café, ça bon, c'est juste parce que je kiffe. Hein. Petit feuillantine comme ça. Ça c'est pour Eric, tous ces Ipro. J'ai repris des pâtes pommes poires. Ah si, il y a celui-là aussi. Bon, celui-là c'est le classique, c'est vraiment le nature. Ça, c'est ce que je prends pas mal là, en ce moment. Houmous extra confit. Il me semble que j'ai pris autre chose avec. Ah, j'avais pas vu. Houmous extra au citron confit. Alors ça, j'avais pas vu les coriandres. Bon, c'est pas grave. J'adore les petites purées comme ça, créaline. Le midi, ça dépanne. C'est très très bon. Il n'y a plus de batterie. Ça, je louche dessus. J'adore celle-là. Oh, ces petites céréales comme ça, avec un peu de lait. D'ailleurs, je crois que j'ai pris un lait. Ah oui, lait de soja. Comme ça, un peu de viande, ça, ça coûte un bras, mais bon, au café, c'est notre petit kiff, les lint, ça, l'équivalent, chaque fois je vous le dis, de 10 rouleaux, et puis voilà à peu près, bon, bah, les polkas, avec le réglisse, du fromage, et puis, ah tiens, ça, pour un midi, j'adore. Ça a coupé, ma batterie était vide, d'ailleurs c'est inquiétant, parce que je trouve que ma batterie se décharge très très vite, pourtant je recharge au fur et à mesure, j'en ai deux. Oui, donc là je suis en train... Bah, de ranger ce que j'ai pas rangé tout à l'heure, je passe l'aspi et ça aussi, tiens, j'ai pris une petite amande pour grignoter parce que ça, apparemment, autant les noix, faut éviter quand t'es migraineux, les amandes, comme, apparemment, ça passe. Allez, va à ta place. Piche-toi. Ta place. Non, allez,
C'est mignon. Tiens, regarde. Ça, c'est le lendemain matin en fait. Il est 8h. Ça, c'est que de l'eau. Mais au moins, ça le dissuade un peu, quoi. Un petit muffin grillé. Hop. 15h20, j'ai mis ce body. Et on a un problème avec ce body. Regardez. C'est disproportionné. Je pense qu'à force de le laver, le truc, soit il a gonflé, mais ça fait Robocop. C'est dommage parce que je l'adore. Il a une petite torsade, super mignon. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un peu chiant. Parce que ça va être de l'administratif, il faut que je fasse absolument ma déclaration URSSAF trimestrielle. Habituellement, je le fais genre le premier jour, et là, ils m'ont envoyé un message, il faut le faire avant le 31, on est le 26 octobre, donc je vais le faire tout à l'heure. Et j'ai reçu un petit colis, là, à l'instant, d'une créatrice, j'en ai fait un réel direct, c'est trop mignon. Elle m'a demandé si elle pouvait m'envoyer des petites créations à elle pour que je valide. Regardez comme c'est beau. C'est Eric, il est allongé. Tu vas mieux, Eric ? La petite trousse moumoute cube avec la pampille, c'est hyper joli. L'intérieur également. Petit pochon comme ça, adorable, dans lequel elle m'a envoyé. Alors, ça, c'est sa marque de fabrique. Regardez ce que vous allez le voir, le petit cœur brodé. C'est magnifique. Et dedans, elle m'a mis des cotons lavables. Ah, puis elle n'a pas fait semblant. Regardez, il y en a plein, plein, plein. C'est super, c'est de la gaze, hein, je crois, gaze de coton, il me semble, la matière. C'est tout doux. Et ma nana. Voilà. On est sur du très 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 beau travail quand même. Il faut que je vous montre quelque chose. Quand on était en train de boire le café tout à l'heure, il y a Jack qui s'est mis en loose day. Il est venu s'installer, mais genre caché, genre en mode je me couche toute l'après-midi, donc venez pas m'embêter. Je vais quand même aller le voir. Je vais pas l'embêter, mais il faut que je vous montre. Ça se passe par ici. Regardez, quand tu te mets là, tu vois rien, on est d'accord. Et là, la petite animal sauvage. Ah bah il s'est tourné tout à l'heure. Ah, je voulais pas te réveiller, mon bichou. Il s'est quand même mis sur un deuxième coussin. T'es bien, mon bébé? Je pense que ça doit être tout chaud ici. Non, bah, fais ton petit dodo, mon bébé. Bon. Et là, nous avons une faritas au del Paso. Ça va? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oui. Non, mais tu as creux là-dedans. Oui. Ah, et je vous montre, j'ai le fil déco. Le fil, oui, c'est ça. Fer, je l'ai mis ici. Alors j'avais un petit peu peur que voilà, ça dépasse et que du coup quand tu passes ça l'abîme, surtout le soir, enfin que ça l'abîme, ça tombe. Si tu vois pas bien clair, mais c'est trop beau hein. Je trouve que c'est hyper harmonieux l'ensemble. Et mes petits lapinous, je les ai mis là, je les ai laissés ici en attendant. C'est très mignon. Bon voilà, en sachant que je peux les mettre ailleurs à n'importe quand. Je crois que ça va beaucoup plus. Ils ont beaucoup plus parce que bah il y a le côté aussi hyper original. C'est pas droit de ouf. C'est pas grave. Non, j'ai pas du tout commencé, il est 5h13 à faire ma déclaration URSSAF parce qu'en fait je me suis mise sur le montage pour m'avancer comme c'est demain que ma vidéo sortira. Et c'est du délire en fait, quand tu es en montage, t'as tes yeux qui sont comme ça. Enfin moi quand je fais du montage c'est vraiment du pointilleux, je regarde détail par détail, mes yeux ne quittent pas l'écran. Et ça, ça peut durer pendant 4 heures. Tu m'étonnes que j'ai les yeux explosés, qu'après j'ai envie de vomir. Parce qu'autant quand tu fais de l'ordi, tu scrolles, tu vas sur internet, tu fais du traitement de texte, machin, tes yeux vont un peu partout, suivant là, vont là, mon truc. Mais là, le montage vidéo, c'est du délire. Sinon, quelque chose est tombé, ça c'est sûr. Mais quoi? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est la surprise. Mes trois fiches sont là, juillet, août, septembre. Et si c'est pas là, ça sera demain, je vous ai dit. C'est jusqu'au 31, on est le 26. Ça va, ça va. Eric, là, il est parti pour sa nuit. Hein. Je l'ai quitté, il était combien? Ça fait... Je suis montée il y a une heure. Ouais, c'est ça. C'est silence radio. Il dort. Il est complètement azimut. Moi, ça me permet de m'avancer à fond, tu vois. Et ce que vous avez vu, donc, je vous le dis, allez, je balance les petites créations. J'avais demandé à recevoir aussi ça. Et on est en train de faire une création sur mesure spécialement pour la box. Autant dire que ça va être canon pour la box de Noël. Voilà. Ça sera un des 4-5 articles de la box, une de ces créations. Pff. Il y a autre chose que je voulais partager avec vous concernant mon dernier vlog au Sable d'Olonne. J'ai eu quelques messages assez virulents que j'ai d'ailleurs effacés parce qu'après, ça engendre d'autres personnes répondre et puis parfois, ça part en cahuète et ça, l'impression que ça part comme ça, j'enlève. Et donc, c'est très certain, enfin, c'est même pas très certainement, c'est le fait que j'ai eu un mal de ventre, un fort,
fort mot de vente qui m'a quand même handicapé un bon moment. Donc voilà, j'étais en crise de hernie. Ça n'avait rien à voir avec le restaurant. Hein. J'aurais pas été manger au restaurant, je l'avais quand même parce que je sais pertinemment que c'est la boisson gazeuse. Et d'autant plus que j'ai pas l'impression d'avoir mangé quelque chose de très très lourd, c'était même très fin au restaurant. Et donc je pense que c'est le fait d'en avoir parlé, de dire oh, entre j'ai des migraines, j'ai mal à ma hernie. Alors je vais être très claire, je l'avais déjà dit au début quand j'ai commencé les vlogs. Moi ce que j'aime dans les vlogs, parce que je leur dis j'adore regarder les vlogs, je suis également spectatrice, c'est l'authenticité. C'est pas travestir la vérité, donc moi ça fait partie de mon quotidien, heureusement non, j'ai pas tout le temps mal, mais ça fait partie de moi. Et l'enlever, c'est-à-dire que là, si par exemple j'avais pas évoqué cette chose dans mon vlog, j'aurais eu des belles ellipses. Et je trouve que non, ça fait partie du job, je vois pas ce qu'il y a, j'ai une hernie hiatale. C'est très 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 chiant, c'est très handicapant. Moi elle est symptomatique, elle peut être asymptomatique, moi elle me fait mal, elle me fait vraiment très mal par moment, et des fois t'as des crises qui peuvent durer genre une journée, donc forcément bah, je l'évoque, et je ne devrais pas me justifier, non. Tout ça pour vous dire que je ne changerai pas, et voilà, donc je continuerai à parler des choses qui, ça peut être des émotions, ça peut être des choses que je vis, des choses, voilà. Et en plus, je sais que pour certains, c'est partager quelque chose qui eux-mêmes vivent, ou bien si vous ne le vivez pas, bah, c'est quand même toujours intéressant de voir. Hein ? Fallait que je le dise. C'est juste que, écoutez, les personnes que ça gêne, c'est très bateau de dire ça, on le dit à chaque fois, mais pourquoi ne regardez pas, en fait. Ne regardez pas, il y a énormément de créateurs de contenu autres que moi. Ne perdez pas votre temps si ça vous gêne. Voilà, ça c'est dit. Ouh, la tristesse du temps là. Il est quelle heure? 18h. Ça va? Oui. T'as dormi? Oui. Tu te sens mieux? Oui. Il est 6h. Tiens, d'ailleurs j'entends les éboueurs. Je me suis fait à 5h50. Je crois qu'on m'appelle. Oui, on va manger. Mais je vais pas avoir d'excuses pour faire ma déclaration ce matin, parce que pour le coup, je vais avoir le temps. Ça y est, j'ai fait ma déclaration ce matin. Ça a du monde se lever tôt. Ça a bien bossé, vraiment bien bossé. Je parle à la troisième, vous vous êtes rendu compte? Ça craint. Il est donc midi. Je m'apprête à faire... Oh, je vais faire steak ce midi. J'ai acheté des petits steaks sympas avec purée. Eric est toujours en mode schlasse. D'ailleurs, regardez, hop, la Farita, c'est là. Je pense qu'elle va être là pendant au moins une semaine. Il est pas bien. Et qu'est-ce qu'il a? Encore une migraine. Et on s'est un peu pris la tête parce que je sais pertinemment pourquoi il a cette migraine. Eric boit 1,5 litre, 2 litres par jour de Coca Light. Et on sait très bien que le Coca Light, c'est pas bon, mais ça fait longtemps que je lui dis. C'est pas bon l'aspartame, en fait, tous les édulcorants, à un moment donné, ça peut provoquer des migraines. Là, on est sur de la migraine chronique. C'est cata. Et en plus, il ne met pas ses lunettes de vue. Alors que je crois que sa vue... Ouais, non, c'est même pas, je crois. Sa vue est encore plus faible que la mienne. Moi, je ne sais pas comment il fait, parce que pendant une demi-heure, parfois, bah forcément, ou quand je me maquille, ou parce que je les pose, ça commence à me pointer, à me tirer. Je ne sais pas comment il fait. Mais voilà, à un moment donné, son corps lui dit stop. Et surtout, son corps lui dit arrête de déconner. On va peut-être calmer, là, le Coca Light. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ah, j'ai eu un nouveau message. Pour rebondir sur ce que je vous disais hier quand j'étais dans mon bureau et tout ça, toujours sur la vidéo, un message, je l'ai laissé. Attends, parce que je ne veux pas travestir la vérité, je vais vous dire exactement, ça se trouve elle l'a effacé. Très bref, très sympathique. T'as vu comment tu bouffes avec plein de petits points. Alors, qu'est-ce que j'ai répondu? Ah, j'ai marqué très classe ce commentaire. Voilà. Donc, ce midi, je vais bouffer un bon steak avec de la purée. Et ma coiffure, c'est un semblant de... Oh, je sais pas, non, je crois qu'il faut même pas décrire. C'est... Non. Bah oui, c'est mieux. Je peux lui faire avant que... Non, mais c'est pas grave. Je vais rajouter un petit carré frais. C'est une purée de brocoli. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est que 14h30. Eric a fermé tout. Il est en train de se mater un film. Moi, je fais une brève apparition dans le salon pour manger des petites amandes. Hein, mon bichon? Toi aussi, tu fais ta petite sieste avec papa? Comment tu te sens? Mal. Encore? Oui. Mais c'est pas viral, hein? Je pense vraiment que ton corps, il... Oui, peut-être. Il lâche. C'est quoi? C'est mes amandes. Comment donner? Tu peux en manger, en plus, c'est bon pour la migraine, ça. Voilà. T'en voulais plus? Ouais. Comme le Coca Light, hein?
Oui, je sais. Je retourne là-haut. Ouais. C'est plus lumineux. Tu restes avec papa ou tu viens avec moi? Toi dans le canapé, ça va bien. Non mais bébé, non, il est 14h30, il faut que je bosse là. Mais je vais pas regarder un film. Je me suis fait alpaguer. Le problème c'est que j'ai commencé à regarder le début, non-stop. Attends, tiens, tes lunettes. Si. Attends, je vais en profiter, je vais arrêter ce vlog maintenant. Et on se retrouve lundi. Ah bah oui, puisque c'est plus dimanche. Lundi pour un tout nouveau vlog. Ciao.